Pulse, c'est la plateforme des utilisateurs de services de santé. Ce sont les gens qui nous aident à l'hôpital pour qu'on nous accueille bien. La Pulse intervient entre le soignant et la population. L'intervention au niveau sanitaire nous permet d'améliorer nos prestations pour mieux satisfaire nos clients. Quand tu as un peu de problème à l'hôpital, il faut immédiatement interpeller la Pulse. Et c'est la Pulse de résoudre les problèmes. La Pulse, ce n'est ni gendarme, ni un cadre pour nous créer des problèmes, plutôt pour nous renforcer. Nous sommes là pour faciliter, pour jouer la médiation entre l'usager et le service d'offre. Donc nous sommes des gens quand même qui accompagnent l'offre à pouvoir réaliser à bien et finir avec les problèmes au niveau des centres de santé. Nous avons été soutenus et par PAOC sur le renforcement des capacités et surtout en leadership et à la communication et puis à la gestion des conflits. Sur les trois modules, et celui qui nous a plus marqué, c'est la gestion des conflits parce que notre activité cadre avec ce module. Maintenant, en ce qui concerne, disons, le leadership. Le leadership nous permet de savoir quand même que c'est à nous de pouvoir nécessairement nous battre et essayer, disons, d'amener rigoureusement ce que nous voulons, que le changement que nous voulons dans nos centres de santé. Nous avons compris qu'en notre sein, il y a eu ce qu'on appelle souvent problème de leadership. Et ça nous créait assez d'ennuis, assez de conflits à l'interne. Maintenant, avec cette formation-là, on nous a situés. Chacun sait dorénavant ce qu'il doit faire. Sinon, avant l'avènement du PAOC, nous avons assez de difficultés pour ce qui concerne la communication entre nous et avec l'offre. On m'a appris qu'en réalité, dans une équipe, tout le monde se complète. Lorsque nous avons une information, on garde l'information en nous. En nous disant peut-être que lorsque l'autre va apprendre l'information, il va se montrer le plus travailleux que toi. Alors que c'est dans la communication que vous pouvez beaucoup échanger et savoir comment essayer de gérer cette plainte-là. Dans une équipe, la gestion est collégiale. Ça, là, on ne connaissait pas. Il y avait assez de conflits entre nous. Mais avec cette formation-là, j'ai su qu'en réalité, quand on est en équipe, voilà, quand c'est bon pour tout le monde. Quand c'est mauvais aussi, c'est mauvais pour tout le monde. Ça fait que depuis lors, on fait beaucoup de choses ensemble sans qu'il y ait de couacs. Et pour ce qui concerne les émissions, maintenant, PAOC m'a permis de savoir préparer d'abord l'émission avec le journaliste et pour et rentrer dans le bain du sujet. Le journaliste aussi, lui aussi, ça lui permet de savoir les questions à aborder. Et avec PAOC, j'ai su que ce n'était pas comme s'asseoir et parler à la réunion, non. Il y a des principes. Et avec ça, quand je vais à l'émission radio, je sais me comporter. J'ai mis en pratique assez de connaissances apprises à travers ces formations-là. La rédaction, par exemple, d'un projet. Voilà, grâce à PAOC, grâce à cette formation-là, je sais comment élaborer un projet. Ça nous a même permis, au niveau de la Pulse Bassi, à élaborer un projet pour notre activité générative de revenus. La rédaction, l'exécution d'un projet, PAOC est venu nous renforcer dans ce domaine. Donc, en gros, disons que PAOC est venu nous édifier. On nous a appris, par exemple, l'élaboration de beaucoup de documents administratifs. Les PV, les comptes rendus, le rapport. Je le faisais, mais à ma manière. Il a fallu que je suive cette formation-là pour me rendre compte, en réalité, de ce que c'est que le PV, comment ça se rédige, ainsi que le rapport, ainsi que le compte rendu d'une séance, d'une réunion, etc. Même quand nous allons au niveau, disons, du comité de pilotage, comment nous allons pouvoir raisonner, faire le rapport et pouvoir communiquer s'il y a des erreurs ou bien ce que nous devons corriger dans le rapport afin que le rapport soit bien fait et que celui qui se présente au comité de pilotage puisse mieux présenter le rapport des Pulse et voir quand même comment nous pouvons travailler ensemble afin de pouvoir évoluer. Il y a ce qu'on appelle la méthode DESC. J'ai un enfant qui est un peu récalcitrant
voilà, qui fait assez de choses. Et c'est après il dit, papa, je suis désolé, je m'en excuse. J'ai constaté que ça se répète. On nous a appris comment gérer en réalité ce problème-là, cette situation-là. Je l'ai mise en pratique avec mon enfant à la maison. Et ça a marché. Ça a marché. C'est un enfant maintenant qui, à chaque fois qu'il veut poser un acte qui n'est pas bon, se rappelle de ce que papa lui a dit et automatiquement il change. J'ai lu ça en lui, que vraiment ça a changé. Ça, c'est grâce au PAOC. J'avais eu un problème à propos de mon enfant. Elle était malade. Il tardait à prendre mon enfant, quoi. Il prenait les enfants qui sont venus dernier et moi, j'étais là. Bon, j'ai demandé, comme je connais le monsieur Bio Sylvain, je lui ai téléphoné, j'ai dit, ah, viens me sauver, mon enfant est malade. La puce a venu demander au docteur pourquoi la femme là était là depuis le matin à 8h, vous ne la prenez pas. Et là, le docteur a demandé pardon, que lui n'était pas au dehors. Parce que ceux qui prennent les malades pour dire au docteur, c'est celle-ci là qui est venue avant celle-ci là, qu'il n'ait pas dit ça au docteur. Et le président puce les a fait comprendre que de travailler bien, d'accueillir bien les malades. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé par accueillir les malades. Quand tu viens à l'air, on commence par prendre tout le monde à l'air. J'ai amené une patiente, une soeur qui devrait accoucher à l'hôpital. Elle a été mal reçue. Mais en dehors de moi, je n'étais pas seule. J'avais aussi un frère qui a amené sa femme, qui était mal reçue aussi. C'est quoi le problème? La femme était allée, la femme de mon frère était allée pour l'accouchement. Elle est allée le lundi et on lui a dit que ce n'est pas encore le moment. Alors que la dame disait que c'était le 9e mois ça. Donc on l'a injectée, on l'a dit de rentrer. Elle est rentrée. Le mardi maintenant ça n'allait pas. Elle est retournée à l'hôpital. Arrivée à l'hôpital maintenant, la sage-femme elle-même en question n'était pas là. Je peux dire que c'est les aides là qui étaient là, mais elle a été mal reçue. On l'a encore injectée, on lui dit de rentrer. Elle est rentrée autour de 13h. Et à 19h, on l'a ramenée toute fatiguée. Quand on l'a fait rentrer dans la salle d'accouchement, l'aide lui demande si c'est son premier geste. Et la dame dit non. Et ça, là, ce n'est pas une histoire qu'on m'a racontée, hein. C'est réel. La dame dit non. Elle dit, et tu fais tout comme si c'est la première fois où tu veux accoucher. Descends de la table, ce n'est pas encore le moment. Et j'étais là, j'étais marquée. Mais je n'ai pas réagi. Parce qu'avec Puce, on a appris que quand tu as un problème, il ne faut pas réagir dans l'immédiat. Cherche à contacter le président Puce et lui narrer les faits. Puisque si je devais réagir avec les douleurs de ma soeur, ça n'allait pas marcher. Je suis sortie. Donc c'est comme ça, autour de 23h, la dame a commencé par saigner. Et c'est en ce moment qu'ils l'ont évacué sur Djougou. Donc maintenant, arrivé à Djougou, les gynécologues ont trouvé que la dame était trop fatiguée. Et avec l'échographie, trouve aussi que l'enfant est tellement fatigué. S'il faut attendre, la maman va partir, l'enfant va partir. Donc il faut passer à la césarienne. C'est comme ça qu'ils ont passé à la césarienne et malheureusement, l'enfant est décédé. Et avec ma soeur aussi qui était là, elle est allée le lundi, on lui dit d'attendre. On nous a libérés le mardi, le mercredi, le jeudi, on dit que ce n'est pas encore le moment. Et c'est le jeudi là, autour de 9h30 par là, elle saigne. Et nous aussi, on nous a évacués, mais Dieu merci. Nous, arrivés là-bas, on l'a opéré, mais l'enfant vit. L'enfant vit, mais quand tu as la femme de mon frère, l'enfant est décédé, la maman a pris 3 poches de sang. Vraiment, je n'étais pas intéressée. Quand on est revenu de Djougou, moi j'ai appelé le président Puce. Il m'a dit, ne t'en fais pas, le problème sera résolu à l'amiable. J'ai dit d'accord, je compte sur vous, parce que j'ai entendu parler de vous. Et effectivement, le président a fait son travail. Donc, je suis parfaitement satisfaite. Nous, on est là pour sensibiliser les gens de venir donner le sang. Parce que le sang manquait à Djougou. Bon, pour aller donner le sang,
si tu ne gardes pas l'heure, tu vas à 8 heures, ils vont te dire que tu n'es pas venu vite. De venir à 15 heures. Tu viens à 15 heures, ils disent à 16 heures. Tu vas à 16 heures, ils vont dire que le travail est terminé. Maintenant, les gens sont commencés par se fâcher. Bon, je me suis dit, ah, je vais voir le président de PIS. Il m'a aidé. On a été à l'ordre de maths pour voir le surveillant. Le surveillant nous a aidé et là, on a commencé par donner le sang bien à Djougou. Vite, il y a fait un point. Il y a un vibre au troisième. Il y a un vibre au troisième. Bon, 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 il y a un Loko sabo yi hun o mi ai tun boyi hun bo a e je gamen gamen na ji kaka e so wa so nu fi o a kan me wa do e do apo ru yen suna bo wa fun gu o e wa se fi o so block de se block o e na do chejo a foton mo bo e wa yo mi bo ron jere fi o pe kun so ru fi o na ah ne gbo na mo aji ndede ka ran le nka ho bi hui Oui, de 90 000. Et de 60 000. Et il y a de fin pour l'épo. Mais il a reçu nous quoi, il est dans la cité de la DIA. Il a reçu. Voici, il a reçu nous violer sur tout le coup à 15 000 francs dans la cité. Et quand il a reçu, 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 il a Et qu'on fait, bon, mini boyro, puis si mêlé, nous y l'aide. Boyro, puis si mêlé. Bon, et voilà, bon, donc, pour le frein caca, il va prendre, puis si mêlé, quand pour bien, bon, tu m'en y. Et j'ai ouais, nous, les doji, tous les caca, bois, chien, chèque, nous. Boa, promissory, CR cam, 70 000. Ouais, soumis. Donc, deux coups d'argent, nous, puis si mêlé, on dit, il n'a tient. C'était. Ma femme qui voulait accoucher et ce qu'ils avaient fait à l'hôpital n'était pas bon pour moi. Les médecins n'avaient pas bien occupé de ma femme lors de son accouchement. C'est en ce moment que j'ai vu que les PIS nous disaient dans les réunions que c'est eux qui s'occupent des hôpitaux, des actions qui se passent à l'hôpital et si ce n'est pas bon de les informer. C'est en ce moment que je me suis rapproché à eux. Quand j'ai porté plainte, vraiment le PIS m'a bien satisfait. Ils ont appelé les majors et après 3 jours, ils m'ont appelé de venir envers les majors et les majors m'ont dit ah vraiment c'est un aide qui était là. Donc il n'était pas là les jours-là. Donc je prends les croisades, ne vais plus répéter. J'ai dit, bon, c'est bon. Je remercie les PIS pour l'aide qu'ils veulent faire pour la population. Le premier problème, c'était un enfant qu'on avait vacciné et le bras était un peu enflé. Donc, quand la dame est allée à la maison, elle a passé beurre de karité à l'endroit. Et ça a déjà fait 3 jours, comme elle voit que ça n'allait pas, qu'elle est allée porter plainte. Donc, le puce est venu ici avec les mamans Cogès et on a traité le problème. Il s'est fait que, par erreur, il y a un centre à côté, à 10 km ici, où ils avaient posé une perfusion, c'était fini. La dame n'avait pas trouvé quelqu'un pour enlever. Le major était parti manger. Donc, à 2h31, comme ça, on m'a appelé pour dire, mais vous avez placé une perfusion à une dame, c'est fini. J'ai dit, je suis sorti de mon logement, j'ai vérifié, on n'a pas gardé quelqu'un dans le centre. Je l'ai rappelé pour dire, mais monsieur, vous êtes trompé. Elle a dit, non, que c'est bien chez vous. Ensuite, on m'a appelé que... On est au centre de santé de Semeret et qu'il a dit non. Dans mon service, il n'y a aucun patient sous perfusion. C'est bien après qu'il a réinterrogé la cliente qui l'avait appelée. Il a dit que non, c'était à Tchalenga. Mais j'ai vu que
il y a vraiment une complicité entre les clients et les puces. C'est-à-dire qu'à 2 heures, il a pu appeler la plateforme pour dire qu'il y a quelques difficultés qui n'arrivent pas. Parce que c'était affiché, la dame a pris ça seulement, il a appelé. Mais il n'a pas pris le temps de prendre le renseignement sur quel centre de Waké. On s'est compris après. Pour l'expérience que j'ai eue, c'est un enfant qu'on a amené aux urgences, un enfant anémié. Alors, la maman de l'enfant, évidemment, est tombée sur un agent de santé qui n'accueillait pas bien ce jour-là. Voilà, donc les puces, ils ont mis une plaque là, une plaque avec le numéro. Donc la dame a eu le réflexe d'appeler le numéro, c'était le numéro de la présidente puce qui m'a fait le feedback. Et là, j'ai appelé le directeur de l'hôpital et c'était un week-end. Donc les week-ends, parfois, ça flotte. Le médecin était là, mais il était en visite. Donc l'agent de santé devait appeler le médecin, donc ça traînait un peu. Donc quand on a appelé, rapidement, on s'est occupé de cet enfant qui a pu être transfusé et sauvé. Ce n'est qu'un cas, il y a beaucoup d'autres, les rançonnements, tout ça a diminué à cause de retour. Parce que quand l'agent de santé sait qu'il y a quand même, il peut avoir le suivi, le feedback, peut être fait à la hiérarchie, les gens se corrigent par rapport aux mauvaises pratiques. Il y a des fois où on ne parle pas le même langage. Et dans le dialogue, naturellement, ce n'est pas dans le bruit, ils font un rapprochement et chacun évoque vraiment, c'est plainte et puis ensemble quand même, ils essaient de trancher. Il peut arriver qu'on nous retrouve, qu'on ait des difficultés dans la gestion d'une plainte. Mais si cette gestion, si cette difficulté revient, elle est remontée au niveau supérieur, surtout au niveau de l'équipe d'encadrement des zones sanitaires. Et si ça ne va pas, ça va directement au niveau du directeur départemental de la santé. On essaie de déplacer l'agent d'un autre côté pour qu'il ne soit plus dans le centre, mais qu'il continue toujours à mener sa vie. Et quand généralement on le déplace d'un autre côté, l'agent aussi comprend qu'il faut changer et il change généralement. Au départ, quand on n'avait pas cette formation-là, c'est que nous nous jetons sur la gestion des plaintes sans savoir comment nous allons procéder pour pouvoir gérer ces plaintes. D'abord, il ne faut pas aller directement rencontrer l'agent de santé. Dès que les plaignants viennent vers nous, nous agissons très spontanément, sans chercher à connaître est-ce que c'est réel, est-ce que c'est vérifié. La manière de gérer ces conflits-là ne cadrait pas en réalité avec ce qu'il fallait faire. Des fois, nous sortons avec la honte, comme on le dit. La puce était déjà installée avant qu'on ne suive ce parc-là sur la gestion des conflits. Le parc nous a permis de savoir que le cadre de la santé, c'est un cadre spécifique. Parce que nous voulons agir sur les individus. Donc il faut savoir prendre l'offre et pour que la communauté puisse profiter. Au cours de cette formation, nous a appris en réalité ce qu'est un conflit. Comment prévenir un conflit? Comment gérer un conflit? Quelles sont les méthodes, les démarches, les étapes à suivre pour gérer efficacement un conflit? Pour qu'à la fin, ça ne génère plus un autre conflit, mais que ça soit totalement solutionné. C'est ensemble avec les COGES que nous allons voir la véracité de la plainte. C'est avec ces faits-là, nous irons maintenant vers la mise en cause qui est l'agent de santé. Depuis cette formation, si jamais on reçoit une plainte, d'abord, nous exigeons le plaignant à ce qu'on prenne son numéro de téléphone. Ce qu'on vous livre à chaud, ce n'est pas souvent ce qui s'est passé. Après que nous ayons enregistré sa plainte, on lui demande de signer. Parce que ça, là, c'est un élément très fondamental. Avant, on ne le faisait pas. Donc, avec ça, nous savons comment aborder les gens. Et l'autre chose, après avoir écouté le plaignant, il faut chercher les informations, avoir des arguments, avoir des preuves concrètes. Si possible, même chercher même à avoir des pièces. Si vous ne prenez pas patience, vous tombez dans le décor. Et nous, en cherchant ces preuves, on arrive à situer vraiment la personne. C'est dans ce sens-là que vraiment cette formation-là nous a apporté beaucoup de choses. Et cela nous a permis d'avoir assez de plaintes. Parce qu'avant, les gens se plaignaient, mais on ne prenait pas d'autres plaintes comme si c'était des plaintes que nous pouvons gérer.
Nous, on croyait que c'est les plaintes liées au mauvais accueil, rançonnement et vente illicite de médicaments. Tout ça, là, c'est ça qui était, disons, les plaintes qu'on devait gérer. Donc, on a impliqué d'autres plaintes qui nous ont avantagés. En suivant ces étapes-là, on a compris qu'à la fois, et le mis en cause, c'est-à-dire l'agent de santé, est satisfait, et le plaignant aussi est satisfait. Disons que nous, là, la puce, je ne dis pas ma personne, mais la puce est importante pour la communauté. Lorsque vous êtes en train de poser des actes et il n'y a pas de gens qui viennent vous dire vraiment vous avez fait ceci, ceci c'est bon, ceci ce n'est pas bon, on a entendu des choses, vous ne pourrez pas changer de comportement. Donc leur rôle pour nous est très fondamental. Au début, on avait cru qu'ils étaient les gendarmes derrière nous. Puis après, j'ai vu que c'est une bonne occasion d'écouter la population, parce qu'avant, on n'écoutait pas la population. Nous soignons les gens, on les soigne comme ça, mais on ne les écoute pas. On se bagarrait très bien, mais quand je suis allée à la formation, j'ai compris et chacun connaît son rôle, il n'y avait plus de problème. Dans le système de santé, moi, je crois que c'est fondamental. Je trouve que c'est une méthode très rationnelle. Il faut quand même ce groupe de médiateurs pour que les choses avancent. On a vraiment su que ils étaient là pour nous accompagner, pour qu'il n'y ait pas de problème entre le soignant et la population. Ils ne sont pas comme des gendarmes. Ils sont là pour veiller aux soins de qualité dans la cité. Et ils ont été vraiment outillés et puis ils raisonnent. Et quand ils raisonnent, on sent que ceux-là ont du bagage quand même pour pouvoir gérer des situations de conflit. La puce était nécessaire. Si cela n'était pas, il fallait l'inventer. Et moi, je souhaiterais vraiment qu'il continue. Je crois que je ne ferai que donner les 20 suivants. Parce que ce que tu ne connaissais pas avant, les personnes te l'ont apporté, les partenaires te l'ont apporté, qui est le PAOC. Quand ils t'ont apporté cette formation-là, ça t'a permis dans ta vie de pouvoir être connu d'abord par la communauté qui t'a délégué pour aller par tes pairs. Et lorsque tu vas dans les instances de prise de décision, tu as le pouvoir de parler. Parce qu'avant, on pouvait aller à une séance ou bien à une formation et nous allons nous mettre là, bouche bée, jusqu'à la fin de la séance parce qu'on ne comprenait pas ce que les gens faisaient. Mais ceux-là nous ont permis à savoir quand même quoi. Ici, là, voici les décisions. Comment faire le rapport, comment essayer de se mettre au pas pour pouvoir raisonner avec les gens pour qu'on puisse savoir quand même que vous maîtrisez tout à leur niveau. Avant, nous, on attendait l'information. Aujourd'hui, nous courons vers l'information et lorsqu'on a l'information, nous travaillons avec et nous allons contacter les agents de santé pour pouvoir remédier, essayer de travailler afin que les choses puissent bien marcher. Imagine quelqu'un qui ne connaissait rien de la gestion d'une plainte. Et aujourd'hui, par rapport à cette formation et par rapport à la mise en œuvre, à la mise en pratique de cette formation, ce dernier est même sollicité par les agents de l'offre. Je pense que sur cette base-là, moi, je lui donnerai 15. J'ai lu la satisfaction totale à travers nous tous qui avons pris part à ces diverses formations-là. Il y en avait qui n'étaient pas lettrés parmi nous, mais ont suivi la formation dans leur façon de gérer leur coopérative, puisque la plupart sont des femmes à l'association. Ça a changé complètement. Dans leur foyer, avec leur mari, avec leurs enfants, ça a changé. C'est 20 sur 20. Ouais, c'est complet. Merci vraiment au projet PAOC. Nous sommes une minorité qui faisons le travail. Alors que nous avions besoin des représentants au niveau de chaque centre de santé, de chaque aire sanitaire. Quand je prends la commune de Waké, Waké est grand. Et nous ne pouvons pas nous partager au même moment sur toutes les aires sanitaires de la commune de Waké. Alors là, nous avons décidé qui est ceux-là que nous appelons points focaux. C'est-à-dire, il y a des gens, nous avons tenu des séances dans les villages au niveau des aires sanitaires et ils ont choisi un certain nombre de personnes. Et à ceux-là, quand il y a plainte, au lieu de venir vers le président, vers un secrétaire, vers les autres membres, alors là, le plaignant va directement et voir celui-là qui enregistre, puisque nous avons nos registres de plaintes. Nous les avons briefés, mais ce n'est pas vraiment
et suffisant. Si ceux que nous devions appeler des points focaux, s'ils n'ont pas reçu une formation, on leur dit, prenez le registre disons, de gestion des plaintes, enregistrez les plaintes. Ceux-là enregistrent les plaintes. Est-ce qu'au niveau disons, de la commune de Djoukou, nous avions 12 arrondissements? Ces 12 arrondissements-là, si nous allons compter les centres de santé, ça va jusqu'à 25 centres de santé. Une minorité de personnes formées. Même si nous parlons des corporations qui doivent aller gérer ces plaintes-là au niveau des centres de santé, ces corporations-là vont gérer ça comment? Donc il faut qu'il y ait des points focaux bien formés, appuyés par le PAOP. Parce que nous-mêmes, on était au niveau de la communauté et PAOP nous a appris à le faire. Puisque la femme fréquente plus le centre de santé que nous, les hommes. Alors à cet effet, nous avons identifié ces femmes leaders au niveau de notre commune. Celles-là aussi ont besoin d'être renforcé pour savoir si on m'amène plainte là, comment je vais étudier ça, comment je vais analyser ça, pour que qu'il n'y ait pas frustration, tant qu'au niveau du plaignant qu'au niveau du mise en cause. Ce qui reste à faire, c'est globalement le feedback aux responsables. Le feedback est fait aux agents de santé, tout ça, mais la synthèse globale de tout ce qu'il y a comme plainte, ça ne nous parvient pas toujours. Donc il faut que périodiquement il y ait une synthèse transmise à la hiérarchie pour qu'au cours des réunions de concertation que nous avons avec les agents, on puisse partager ça avec les autres. Maintenant, mis à part cela, nous voulions aussi quand même qu'à travers, disons, les informations qui se trouvent au niveau de l'offre, quelles informations je veux, les informations qui concernent la demande. Par exemple, les ruptures de médicaments, tout ce qu'il y a comme situation, comment essayer, disons, d'avoir les informations typiques, la revue de performance, les taux que les gens calculent au niveau des centres de santé, on ne connaît pas ça. Maintenant, si on peut avoir ces informations, ça nous apporte un plus afin qu'on puisse évoluer. Quelle que soit la commune ou le département, ce que j'ai à dire à certaines femmes, essayons de dire la vérité. Si c'est que tu vas à l'hôpital et on te maltraite, cherche à rencontrer le président de la puce. Les docteurs, les sages-femmes, ils ont prêté serment. Moi, je n'ai pas prêté serment. Je suis allée pour être soignée. Donc, ils doivent bien me prendre. Les femmes-là n'ont qu'à faire tout possible et se plaindre. Ça, les secondes maintenant, là, si tu restes à côté de moi, tu te plains pour dire que la sage-femme-là n'est pas bonne. Tu as parlé ça à qui? Va voir le président de la puce, dis-lui la vérité. Moi, je ne peux pas aller parler parce que c'est toi qui es la victime. Beaucoup de choses ont changé. Ce n'est pas même l'hôpital de l'ordre de Martel. Quand tu rentres dedans, il y a les numéros collés sur les murs. Quand tu fais quelque chose là-bas, tu appelles en même temps le président, il va venir vous aider.